Salut les amis, bienvenue dans la Néosphère. Max Payne à mes côtés, Angie à mes côtés. Yes. Bon, je vais vous dire la vérité, en fait on avait déjà fait une émission avec, avec ce type. Mais Mathieu avait perdu les voix. Ouais, c'est Mathieu qui a perdu les voix. Donc, ça tombe bien, on le fait revenir pour la bonne période. Parce que là, il y a son projet qui sort, qui est disponible sur hauteculture.com. Mm-hmm. Donne le nom de ton projet. Ça s'appelle Mon R&B, ce sera disponible le 25 mai sur hauteculture.com. Est-ce qu'on peut commencer déjà pour une présentation de NG pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, NG. Parce que même, il y a des gens qui ne te connaissent pas encore. Non, bien sûr, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Il NG. Fait le faux mais ah, non je fais le faux modeste. Non, non, tranquille. NG, chanteur à R&B. Mm-hmm. J'ai commencé à chanter, moi de mon côté, on va dire, il y a 10 ans. Maintenant, le NG, même, c'est à peu près 5 ans aujourd'hui. J'ai évolué pour commencer dans une chorale qui s'appelle We Are One. Ensuite, j'ai fait choriste, mm-hmm. parce que je voulais pas arriver comme ça sur la scène. Choriste pour qui? Choriste pour Zao, Corneille, Kiri James, j'en passe. Pas mal. Ouais. Et en fait, c'était vraiment pour moi une approche pour tâter la scène, mm-hmm. pour vraiment ressentir, voir comment ça se passe, ouais. tu vois, être crédible sur scène en fait. Mm. C'était important pour moi. Et ensuite, je me suis lancé en solo. En fait, on avait marre d'être derrière les artistes. Aujourd'hui, tu veux être au-devant de la scène. C'est pas en avoir brillé. Non, c'est même pas une question de briller parce que, tu vois, aujourd'hui, je suis dans un délire où, en fait, c'est plus la musique. Je me fais plaisir, je me fais un kiff. Et c'est pas pour briller, tu vois. Mm. C'est pas pour briller. Les gens me connaissent pas forcément perso, mais j'ai envie de pépère. Mm. Il ment. Il est venu ici, il a demandé qu'on aille le chercher en voiture. Il veut du jus, regardez, il y a du jus sur la table. Attends, jus qui est cueilli du pays. Non, Andy, ça fait plaisir de te revoir. Et donc là, t'arrives avec un nouveau projet. Ouais, qui s'appelle Moi R&B. Une mixtape téléchargeable, gratuite. Combien de titres? Voilà, on va dire 10 ou 12, je sais pas encore arrêté. D'accord. Ouais. Au niveau des prods, il y a qui dessus? Il y a Will Star, Monsieur Will Star au prod. Il y a qui encore? Il y a Punisher. Ouais. Il y a qui encore? T'oublies, si j'oublie, tu. Ouais, si j'oublie, j'ai. Les gens vont se fâcher contre toi. Grave. Il y a qui encore? Je crois que sur ce projet-là, c'est tout. En tout cas, ouais. Je bosse avec des producteurs de talent, dont James BKS. Chapo, Dirty Thousand, et j'en passe, tous ceux qui sont derrière moi qui me font des prods, c'est des tueurs. Et au niveau des featuring, vous allez voir, surprise. Et pourquoi téléchargement gratuit? Pourquoi tu l'as pas fait payant ce produit? Parce que le R&B n'a pas de marché. Tu veux l'attaquer sur ça? Non, même pas, parce que pour moi, si vraiment je pensais que le R&B avait pas de marché, J'aurais pas fait de R&B. Mm-hmm. Ce que je veux dire, pour moi, ceux qui disent que le R&B a pas de marché, c'est déjà que leur R&B, c'est pas le mien. Mm-hmm. Il y a deux R&B différents. C'est quoi le tir? C'est mon R&B. C'est le 25. C'est mon R&B, c'est ce que je fais. Ça, c'est ce que j'appelle du R&B. Tu vois, parce que quand tu vas dehors, tu parles de Usher ou de Chris Brown, n'importe quel mec, que ce soit Antes ou n'importe où, il va dire lourd. Ouais. Donc tu peux pas me dire que le R&B il y a pas de marché, tu vois. R&B français. Il y a pas de marché. Leur R&B français. Moi c'est moi. Aujourd'hui quand tu vas à la Fnac pour acheter des CD parce que je sais que t'achètes des CD. Est-ce que tu... Non, c'est une pique là, non? Non. Ah. Non, il était sincère, c'est une du cœur là. Non. Je sais, on se suit sur Twitter donc je sais que t'as acheté des CD dernièrement. Ouais, okay. Mais quand t'es parti acheter par exemple ces CD là, qu'est-ce que t'as vu en R&B français? Est-ce qu'il y avait même un rayon R&B? À vrai dire, j'ai même pas regardé. Je ne regarde plus. Mm. Enfin, j'ai pas regardé. Je vais pas te mentir. Sans mal parler des autres, hein, moi aujourd'hui en R&B français, je vois Monsieur Nov. À part lui, tu peux citer. Je serais obligé de revenir en 2005 avec des Mathieu Stone, des choses comme ça. On te parle 2015, je connais personne à part NG. Ouais. Ah, c'est ça, mon gars. NG, il est là et il s'avère que quand il est venu, il a fait un concert ici, tout le monde a été validé. Et je te jure, et tu le sais, je te l'ai dit après le concert. Les gens, ils ont dit, ouais, ce qu'il a fait, le mec, là, franchement, propre.
Ouais, ça fait plaisir. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que dans le milieu du R&B, honnêtement, R&B français, moi aussi, je trouve que c'est vide. Après, pour moi, c'est comme tout. Tu vois, avant, au début du rap, on disait, ouais, il n'y a pas de rappeur, c'était mis de côté, etc. Après, ils ont fait les trucs entre eux et ils sont serrés les coudes. Et maintenant, le rap est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, je pense que le R&B, ça peut faire la même chose. On peut faire la même chose si on fournit de la qualité et on s'organise, on structure. C'est mon avis. Néosphère, on est dans la Néosphère, c'est l'émission Néo Musique, on revient tout de suite après ça. Pour le mal, pour le mal. Traction dips, squat, ça tape à la salle. Ils me prennent de haut, je suis l'iceberg qui les coulera. On est de retour dans la Néosphère, c'est toujours l'émission Néo Musique. Toujours. Toujours sur Blackout Radio. Néosphère. Toujours. Toujours Max Payne. Toujours. Toujours NG à mes côtés. Toujours. NG, ça veut dire quoi NG déjà pour commencer? C'est mes initiales, c'est tout ce que je dirais. Ah, il veut pas balancer son blaze. C'est mes initiales. Ah, il assume pas? Il assume pas? Oh, si j'assume. Le regard, il est NG. Il assume pas. Oh, laissez-moi garder un peu de mystère. Déjà là, t'es là. En fait. Il se camoufle. Non, regarde. Pour répondre à ta question tout à l'heure, tu me parlais de briller, tout ça là. Moi, si tu regardes bien mes anciennes vidéos, tout ça, j'avais pas tout ça. Pourquoi j'ai décidé justement de me camoufler? C'est parce qu'à Paname, tout le monde est star. Tout le monde est star, tout le monde est chanteur, tout le monde est truc. Moi, ça m'a fatigué, tu vois. Et moi, comme je disais tout à l'heure, je suis pas dans un délire de starification. Je suis juste, tu vois, je fais mes trucs, je fais écouter au refrain et ils sont là, ils disent ah ouais, c'est lourd, ils kiffent. Juste ça, ça me fait kiffer. J'ai pas besoin de, tu vois, des délires de starification, de dire ah, je suis pas dans. Mais tu sais qu'à partir du moment où t'as un personnage public où tu fais des clips ou que tu. Même moi, je suis anti-flash, tout ça là, mais à partir du moment où je mets ma tête derrière la caméra. Oui, je suis d'accord avec toi, tu vois. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a trop de gens qui font ça pour mauvaises raisons. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi me détacher de ça, tu vois. Voilà, c'est tout. Si je fais ce délire-là, c'est vraiment pour kiffer, pour voilà, je fais des scènes. Ce que nous-mêmes, on est en train de faire aujourd'hui avec l'émission, c'est avant tout un kiff, ça rapporte pas forcément des thunes. Si demain, ça peut en rapporter, tant mieux, tu vois. Tant mieux. Mais à la base, ça part de là, tu vois. Tout, on va dire, tout truc sérieux, c'est vraiment, ça part d'un kiff, d'une passion, sinon ça sert à rien. T'as vu comment il a virgulé sur NG? Ouais, il a toujours pas donné la définition là. T'as vu ou pas? Mais il croit que nous on est des types. Ça veut dire quoi NG? Non, laissez. Je vous ai dit tranquille. Mais là, on va rentrer un peu dans ton univers. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Toutes ces choses-là. Inspiré. Non, mais j'avais compris. C'est pas ce que t'as dit. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi avec. Il a beaucoup grandi. Voilà. Là, tu vois, il a essayé de m'attaquer. Voilà, on s'est attaqué tous mutuellement. T'es fichu, mec. Il a beaucoup grandi. Non, c'était musique R&B, black music en règle générale, musique africaine. Après, quand tu grandis, tu fais des rencontres, tu vois de nouvelles personnes, t'apportes d'autres styles, tu vois, de musique. Donc, j'ai découvert le rock, j'ai découvert tous ces styles-là. En fait, c'est moi, en fait, tu vois. Je peux te dire que oui, j'ai grandi avec aussi un peu de musique française, normale, en France, tu vois. Et c'est ça qui fait NG aujourd'hui. Donc, dans mon R&B, on peut s'attendre à différents types de sonorités. Là, ouais, quand même. Vu que c'est une mixtape, je me suis fait plaisir, tu vois. Un album, vraiment, tu travailles album, c'est structuré. Un EP, moi, je vois vraiment comme une carte de visite avec peu de titres, tu vois, en règle générale, en tout cas. Et là, mixtape, c'est vraiment. Mais si je ne me trompe pas, là, c'est déjà ton deuxième projet qui arrive. Ouais, il y avait déjà le premier qui était hors-série. Hors-série. Qui était un EP, d'ailleurs. Et là, vraiment, mixtape. Tu vois. Donc là, mixtape, pour moi, je vois plus comme un délire, un défoulement. Ouais, exactement. Tu montres comme un défouloir. Comme un défouloir, vraiment, c'est ça. Et en plus, dis-moi. Juste les gens. Non, je suis désolé. Non, dis-moi. Dis-moi, donc je reviens. C'est juste, en fait, moi, j'aimerais que tu me donnes un de tes classiques. Et le dernier, c'est dès que t'as acheté pour voir un peu l'univers vraiment de NG. Un de mes classiques. Un CD, un classique, et je veux un CD d'actualité. Qu'est-ce que tu as acheté dernièrement? Moi, je sais ce qu'il a acheté dernièrement. Ouais, mais il le dira lui-même, tu vois. Non, c'est dur ce que tu me demandes. R&B. Après, classique, c'est. Tu peux parler R&B, rap, rock, comme non, tu je veux rester en R&B.
Je reste en R&B, je reste en R&B pour l'instant. Qu'est-ce que j'écoute souvent? J'écoute, bah c'est vraiment R&B, c'est du Jhené Aiko. Jhené Aiko, tu vois, par exemple là, c'est un style totalement différent. Ouais. Tu connais un peu ou pas? Ouais, je connais. Voilà, j'ai écouté. Mais moi, je mets pas ça vraiment dans la R&B parce que c'est vraiment décalé. C'est décalé. Ah, non, c'est pas décalé, c'est... Je vois ce qu'il veut dire. Mais pour moi, c'est du R&B. Ouais. Parce que, bon, là, les gens l'ont découvert là parce que la fille, elle a fait un feat avec Drake. Mais Jhené Aiko. Mais même si tu. Moi, les premiers sell out là, ouais. Je sais pas si je prononce ça, je prononce ça bien. Tu vois, moi, j'étais plus dedans que dans l'album qui est sorti. Elle s'est lâchée. Elle s'est vraiment lâchée. Ouais. Elle est partie plus loin dans son délire, en fait. Tu vois ce que tu veux dire. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais. Mais pour moi, ça reste R&B. Ouais. Tu vois, parce que aujourd'hui, en vrai, le R&B, c'est. Moi, tu c'est vois, par elle, je la classerais plus dans les styles de India Harry, des trucs comme ça, moi. Mais tu vois, pour moi, India Harry, c'est quand même plus soul, new soul. Ouais, bah justement, pour moi, c'est pour ça que je dis que moi, pour moi, c'est pas vraiment de. C'est un peu des délire nubien, ce. Non. Il fait style, il connaît. Yeah. Tu vois, il. Non, mais je pensais, c'était une question. On va voir s'il connaît. C'était une question. Ah, vous voulez me piéger comme ça? Ok, bon, on se fait la guerre. Non, pas dans okay. L'émission, on se fait la guerre. Il n'y a pas de petit saut. Là, c'est la coupure. On revient tout de suite après ça. Je fais sans penser. Après, vous s'en allez en prendre sans penser. Donc, il y a une discussion, il y a l'air de rigoler là. Continuez votre discussion là, ils disent des choses intéressantes, ils le disent en off. Non. Vous étiez dans des détails là, des détails techniques. On parlait des différentes. Courants. Courants de l'R&B d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lui me disait que. J'ai dit un bail, mais c'est pas grave. Vous avez tous compris. Ils ont dit un truc, mais ils ont pas fait attention. C'est devant la caméra. En fait, depuis tout à l'heure, il cherche. Il le sait. Mais il arrive pas, donc. Non, c'est pas grave. Et en plus, ils n'assument pas. Continue. T'as entendu ce qu'ils ont dit? Merci beaucoup. Vous allez voir après. Ok. Donc, il y a différents styles de R&B. Et toi, par exemple, pour revenir à toi, tu te classes dans. Comment tu définirais ton style? Moi, c'est R&B. C'est le. Enfin, j'ai pas envie d'entrer dans des trucs du vrai ou du faux, mais pour moi, c'est R&B. Tu vois, c'est le style R&B. C'est quand tu dis à quelqu'un, si je te dis, ouais, t'as écouté le dernier son de R&B, tu vas me dire de qui? Tu vas pas me dire, ouais, quel R&B? Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est putain, ça. Il a réussi à nous boucler. Vas-y, attaque-le. Comment tu veux que je l'attaque? Parce que tout à l'heure, vous étiez dans des termes techniques. Même moi, j'ai cédé, j'ai abandonné, je vous ai laissé dans votre bail. Je dis, attends, mais il me sort des je sais plus trop quoi, etc. Non, en fait, pour en revenir, pour être clair, c'est que moi, je disais que pour moi, Jhené Aiko, c'est du R&B. Et lui, il trouve que c'est plus du alternatif. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, ça peut être classé dans les deux. Hein, donc aujourd'hui. Et pour revenir à ce que Maxi disait, c'est quoi le dernier CD que t'as acheté? J'ai répondu. Non, t'as dit ton. Ça, c'est le dernier CD. Bah, alors ton classique. Son classique, alors. Les classiques R&B, là, il faut remonter dans les. Dans les années, hein. Remonte dans les années 94, c'est dur, là. Les classiques R&B. Puisqu'on est même dans R&B français, je vais demander classiques américains et français, même. Alors, R&B français, j'avoue, je vais bousiller R&B de rue. C'est une des raisons pour laquelle tu l'as repris. J'ai repris, ouais. Parce qu'à l'époque, pour moi, c'était vraiment un morceau de R&B de fou. Je l'ai tué, ça. En fait, ce son-là, moi, je le valide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le classique R&B, plus ou moins à chaque fois lover ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Tu sens le truc, c'est un peu à la TQ, tu vois. Pas TQ, c'était R&B, mais c'est le truc rude, tu vois. Oh, TQ, ouais. Ouais, je comprends que c'est dans TQ, tu vois. Non, TQ, bien vu. Vas-y, continue. Ouais, R&B de rue, à l'époque, j'avais kiffé, mais vraiment. C'est pour ça que j'ai refait la reprise. Et on va dire en quinri, je vais en donner un comme ça que tout le monde connaît, Usher, You Remind Me. Ouais. Voilà. Franchement, pour moi, c'est un putain de classique R&B aussi. Voilà. Je pensais que t'allais me le dire naturellement dès le début. J'ai dit, bah, il a un problème avec Usher encore. Non, même pas. En fait, il y en a en R&B, enfin, de cette époque-là, il y avait beaucoup de sons quand même. Hein. Ah. Si je te dis par exemple, si je vais te dire des noms, tu vas me dire si ça te parle ou pas. Hashim. Non, ça te parle ça pas. Ça me parle pas. Karine. Bah oui. Vibe. Bah oui, Vibe, bien sûr. Y a qui encore? Vas-y, y a qui encore, vas-y. Non, après, tu vas arriver à l'ancienne, franchement. À l'ancienne, Wallen, bien sûr. Zao, c'est un peu trop récent. Ouais, non, c'est pas la même époque, là. Ouais, c'est pas le même style encore, on revient encore sur le même débat.
Mais comment ça s'appelle celle que je chante avec ses filles là aussi là, Kenza Farah, bien vu. Oh non, tout ça on connaît, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Et Kaina Samet aussi. Kaina Samet aussi, bien sûr. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux, t'es capable de me citer des artistes R&B aujourd'hui qui, selon toi, ont le niveau. J'ai niveau parce enfin, que c'est son clip. Enfin, niveau, tu vois. Ont le niveau, tu vois. Ouais. Je suis personne pour dire si un tel niveau, mais en tout cas, des artistes que je peux écouter tranquille, tu vois, c'est Nov et Skrilli. Ouais. Les deux, j'écoute, ça passe crème. Facilement. Ouais. Et moi, c'est juste une question par rapport au marché du R&B. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on en a parlé vaguement, etc. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu penses que toi, avec vu tes capacités, etc., est-ce que tu penses que si aujourd'hui, il y a un public qui... Oh, bégayage. Parce qu'en fait, je vois pas comment formuler ma question, tu vois pas. Non, dis-moi, t'inquiète, tranquille. Ah, c'est... On est sur dans la noosphère, tranquille. Je parle pas, tu vois. j'ai bégayé. On a rien dit. Les gens, ils sont là, ils écoutent. Vas-y. On la refait, c'est non. Vas-y. Non, en fait, je veux dire en gros que. Dans, je sais pas, dans le R&B, il n'y a pas vraiment de marché, tu vois, pas ça que je veux dire. Il n'y a pas vraiment de marché. Ça revient à ce qu'on disait en début d'émission. C'est ça, c'est que c'est pour. Tu parles, tu dis R&B, mais. Déjà, d'une part, il n'y a pas de R&B. Parce que, toi, par exemple, Monsieur Nov, il a dit. C'est, j'appelle à chaque fois. Si, c'est Monsieur Nov. Ouais, Monsieur Nov. Il a dit que justement, le R&B, il était mort en France. Il avait dit dans une des interviews comme ça. Là. Ouais, parce que peut-être y a le R&B, comme lui, il l'entendait. Mmh. Après, excuse-moi, je te coupe. Après, Monsieur Nov, il dit que le R&B est mort, mais Monsieur Nov a réussi à remplir une salle. Sans vraiment de support derrière lui. Mm. C'est-à-dire que. Il y a un marché, mais le marché n'est pas encore bien défini. Mm. Moi, c'est comme ça que je vois. Pour moi, il y a des gens qui sont des kiffeurs de R&B. Mm. Les gens sont là, sont en demande. Maintenant, mais... pour moi, il faut déjà envoyer des bons sons. Des bons tu vois, il n'y a pas de médias spécialisés R&B encore. Ah, ça y a pas, c'est normal parce que déjà tu viens de me dire que l'R&B il est mort. Donc c'est un c'est lui qui a dit ça. Ouais. Donc c'est pas moi qui dis ça, c'est monsieur. C'est toi qui a dit ça. Ouais, là c'est toi qui a dit ça. Ouais. Donc c'est normal, tu vois. Après moi je pense que si tu vois y a plusieurs personnes qui se mettent à taffer, à faire des bonnes choses, forcément il y a des médias qui vont commencer à naître. C'est le cas aujourd'hui avec le rap. Et encore avec le rap, ça commence à saturer. Il y en a beaucoup quand même. C'est une bonne chose parce qu'en fait, plus il y a de monde et plus ça pousse les gens à faire exactement. Donc c'est jamais une mauvaise chose. Après moi je pense hein. C'est l'heure de la coupure, c'est la coupure. Elle coupe, elle ne respecte pas aujourd'hui. C'est Mathieu il est là, il nous fait des signes depuis tout à l'heure, tu le vois pas. Ça fait combien de temps là? Pour une guerre, plein d'amour, la vautelle. Tu vas y aller, tu vas y aller, tu l'imagines déjà. Ok, on est de retour dans la néosphère avec mon gars Max. Depuis tout à l'heure, on se cherche un peu. Ça chamaille. Apparemment, je cherche dans les émissions, tu sais, mais je cherche pas, t'es mon frère. C'est comme ça que tu parles à ton frère. Que de l'amour pour toi, mon frère. Et que de l'amour pour toi, mon frère. J'aime pas ce genre de frère, moi. J'aime pas, j'irai ça, moi. J'aime pas ce genre de frère. Bon, pas en public. Angie. Yes. Donc on a dit que mon R&B était disponible en téléchargement gratuit. Tu nous as dit 25 mai. Mais je pense que quand l'émission sera diffusée, ce sera déjà dans les bacs. Dans les bacs. Façon de parler virtuel. Dans les bacs. Voilà. Virtuel. Voilà. Quel est le programme pour Angie dans qu'il y a des scènes dans les mois qui arrivent là? Déjà, t'as déjà balancé deux clips pour défendre ce projet. Est-ce qu'il y a d'autres clips qui arrivent? Il y a d'autres clips qui arrivent. Oui. Ouais. Ouais. Tu peux nous en parler ou c'est encore top secret parce que t'aimes bien faire des non l'homme mystérieux. Non, tu sais, moi je suis un mec, j'aime pas parler, j'aime faire. Ouais. En général, si tu vois parler tout ça, ça sert à rien, tu vois, vaut mieux faire. Pour les deux clips qui sont sortis là, est-ce que t'as eu des retours quand même? Oui, d'ailleurs, c'est bien que tu m'en parles. Je tenais à remercier vraiment encore une fois tous les gens qui m'écrivent. Des fois, j'avoue, je mets du temps à répondre, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Voilà. Mais vraiment, merci. J'ai énormément de retours pour FCSV, pour le niveau. Tu peux donner la définition de FCSV, ouais. Fesses, cuisses, seins, visage. Cochon, tu vois. Cochon. Et NG, qu'est-ce que ça veut dire, NG? NG, c'est moi-même. Ouais.
Il voilà. veut pas dire. Hein. Mais pourquoi les chanteurs de R&B aiment bien parler de sexe tout le temps? Parce que non. C'est lié un peu à la. Non, pas tout le temps, musical. Pas tout le temps. Regarde. T'as balancé deux sons, les deux sons que t'as balancé, il y a des fesses dedans. Non, mais dans le niveau. Dans le niveau, il y a des fesses. Oui, y a des, après, ouais. je parle de niveau. Il y a des fesses, donc ça cochon du cul, encore une fois. Cochon. Tu vois là? Non, mais ça va changer. Ah, ça va changer. Cochon, cochon. Tu vois? Ça va changer. T'avais fait un vrai clip avec, avec Mac Taylor. Exactement. Bah, carrément, c'est moi qui prends ta défense. Je te parle de... Normalement, c'est toi qui dois. Mais j'allais, j'allais arriver. Non, j'allais arriver. Parce que tu m'as dit que je faisais des trucs de fait. J'allais te dire. Que vas-y, non. Bah, bon. J'ai fait un clip avec Mac Taylor qui s'appelait Immigré. Ouais. Où vraiment, ça parlait d'autre chose. Tu vois, d'un thème plus conscient. Non, ça s'appelle pas Immigré. Ça s'appelle Guerlain, pardon. Ah, bah, ouais, je suis un ouf. Non. Pardon. Ça s'appelle Guerlain. En fait, là, je viens de te donner un truc. Là, c'est même pas. Exclusivité. Ah voilà. Il y a un son qui s'appelle Immigré qui va arriver. T'as ouais. En plus, il y a Mac Taylor dessus. Donc tu sais maintenant. Je vais te donner un truc, c'est même pas. Bref. Ouais. Guerlain, qui était vraiment plus conscient par rapport à, je sais pas si tu te souviens l'histoire où ouais, Guerlain, ouais. voilà, disait, il savait pas si les nègres avaient travaillé. Voilà. Et sur moi, France. Ça m'a exactement, ça m'avait touché. Du coup, j'ai fait ce morceau-là et je suis parti le proposer à Mac Taylor et il a accepté direct. On parle un peu d'actualité. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis par rapport à aux différents décès de jeunes noirs américains? Tu vois, franchement, moi, j'aime pas en général commenter, tu vois, les trucs comme ça. Mmh. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que au bout d'un moment, même eux, ils ont vu qu'il y avait un problème. Mmh. Tu vois, si lorsque les jeunes noirs s'énerve comme ça, monte au créneau comme ça, et que derrière, effectivement, il y a des gens qui sont emprisonnés, des fonctionnaires, tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait un problème, pour de vrai, tu vois. Sinon, il n'y aurait pas eu cette procédure, tout ça, qui aurait été mis en place. Sinon, on aurait stoppé depuis longtemps. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Et ça veut dire que toi, tu serais là-bas, tu aurais pris position. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais parler aussi, comme on est dans l'actualité, je vais parler aussi de ce qui s'est passé en Afrique centrale. Ouais. Avec les soldats français qui ont, ouais. qui ont soi-disant bon après c'est pas soi-disant c'est qui ont commis des actes ouais. terribles ouais. parce ça. Que derrière ça on est quand même des t'es, que tu le veuilles ou non t'es quand même une star tu vois porte-parole ouais t'es quand même un porte-parole et faut quand même passer des messages tu le sais de toute façon non bien sûr mais dans mes, je le fais dans mes chansons tu vois je le fais dans mes chansons ce genre de choses c'est laisse tomber c'est une dinguerie carrément. J'ai même pas les mots pour décrire ça. Ça veut dire que toi, quand il y a des choses comme ça, tu vois, des manifestations, des choses comme ça, en toute honnêteté. Moi, tu vois, si tu veux, j'ai toujours préféré, pour les trucs comme ça, même pour les délires de Médecins sans frontières, tout ça, quand il y a des choses à faire, je le fais. Je parle pas. Je vais pas venir ici, chez vous, et dire voilà, j'ai fait ça. Ça, c'est zéro ça. Si vraiment tu fais les trucs, tu le fais, tu t'es point barre, tu fais pour toi, pas pour les autres. C'est tout. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'action que No Joke est en train de mener. Il y a une collecte de fournitures scolaires pour les enfants défavorisés des rues de Kinshasa. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre adresse mail neomusique@gmail.com si vous souhaitez faire des dons pour venir en aide aux enfants démunis à Kinshasa. Angie, yes. L'émission va touche à sa fin. Ok. Comment on fait pour te contacter? Alors, il y a le Facebook Angie Fans, F-A-N-S. Je précise sur le S parce que sans le S, on ne trouve pas. D'accord. Il faut envoyer des photos aussi. Il ne le dit pas, mais il faut envoyer des photos. Ouais. Il y a le Twitter Angie France. Et il y a quoi encore? Il y a un Snapchat, il n'y a pas un truc. Ah oui, Instagram. Non, il s'est dit ça, il est foutu, ce truc. Non, mais j'ai même pas encore, je suis pas encore dans le délire Snapchat. Tout le monde a ça, mais je suis pas. Non, moi j'ai pas ça, moi. T'as pas? Non. Moi non plus. C'est vrai? Tu vois, pour de vrai? Ok. Non, ça me rassure, tu vois, parce que j'ai cru que c'était un peu bizarre. Mais non, je vais m'y mettre. Et ouais, l'Instagram NG officiel. Ok, voilà. L'émission touche à ah, c'est mort. Tu vas dire un truc, c'est mort. C'est fini. Voilà. L'émission touche à c'est passé vite, hein. Et voilà. Donc là, on va passer au Néo Freestyle de Mr. NG. Yes. Donc, on va te laisser la place. Ok. Tu vas nous faire quoi d'abord? Doucement. Ah, exactement. Ok, c'est parti, on va faire ça doucement. Doucement. Néo Musique, l'émission, c'est Néo Musique, Block 4 Radio. C'est ça.
Big up à vous. Dans c'est la noosphère. Dans la noosphère. C'est on ça. S'attrape la semaine prochaine. Portez-vous oui. bien. Oui. Peace. Sphère. J'entends trop mon nom, j'y rêve comme Candyman. Plus ça parle, plus ça parle, plus je fais du sale. Ton R&B est en passe terminale. Plus j'envoie, plus son pouls est inégal. Tu peux m'entraîner avant les vrais bails. J'ai même pas commencé à tirer les vraies balles. Comme mon phare d'auberge, je suis intouchable. Par en guerre, la conquête sera générale. J'suis à l'avant du navire, t'es en fond de cale. Dans la semoule, tu pédales, tu pédales. Comme l'une de l'aide de chez nous, on te graille. Croyez-moi, j'ai l'appétit insatiable. Démasqué, démasqué, démasqué. Le army français, je l'ai remixé pour remettre les pendules à l'heure. Démasqué n'est pas la haine. Tais-toi, je passe à l'antenne. Tout ce qu'on va faire, on va le faire salement. 2015, on arrive doucement. La monte, y a des balles. Doucement. La roue va tourner, ça va faire mal. Doucement. On les laisse faire le jeu, s'ils ont la balle. Doucement. On jouera en contre, c'est la finale. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. La victoire finira par nous revenir doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. La victoire finira par nous revenir doucement. Avec ou sans auto, tu n'en sais faire. Même tarif, comme à Marseille, rien à faire. Frappe sur frappe, en un DG persévère. Besoin de personnes pour gérer nos affaires. Chez nous on combat le mal pour le mal. Traction, dips, squat, ça tape à la salle. Ils me prennent de haut, je suis l'iceberg qui les coulera. Comme le Titanic, la percée viendra d'en bas. Le R&B français, on va l'inonder. J'envoie clip sur clip juste pour m'amuser. Ils négligent maintenant, ils veulent m'inviter. Ils savent même pas le prix qu'on leur fera payer. Démasqué, démasqué, démasqué. Le army français, je l'ai remixé pour remettre les pendules à l'heure. Démasqué n'est pas la haine. Tais-toi, je passe à l'antenne. Tout ce qu'on va faire, on va le faire salement. 2015, on arrive doucement. La fente, on la monte, elle arrive à doucement. La roue va tourner, ça va faire mal. Doucement. On les laisse faire le jeu, s'ils ont la balle. Doucement. On jouera en contre, c'est la finale. Yeah. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. La victoire finira par nous revenir doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. Doucement, 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 doucement. La victoire finira par nous revenir doucement.